c'est sans doute déroulé en automne, saison où le paresseux chinois, un arbre du sud-lui, commence à perdre ses feuilles. La saison annonçant les trois ténèbres dans les termes de Baudelaire aurait rendu l'autre des technicianistes particulièrement mélancoliques pour écrire un poème témoignant de sa solitude. Voici cette fois une femme qui, manifestement, fut également sujette à ses effets automnales. Il s'agit de Xin Cheng, l'héroïne d'un numéro de Prince Li éponyme. Ce n'est plus cette pauvre jeune fille qui s'occupait seule de son père non-voyant et qui, pour réparer une grosse bêtise de celui-ci, avait accepté de se donner en sacrifice vivant qu'un navire marchand chinois cherchait pour calmer l'éventuelle colère du dieu de la mer. Elle fut heureusement sauvée par la flotte de la marine royale. De quel pays? On l'ignore. En tout cas, ce devait être un royaume loin du pays d'origine de Xin Cheng, qui avait charmé le prince de son sauveur et qui devint finalement son épouse, puis la reine. Elle regrettait énormément son père, mais est-ce qu'un moyen de le faire? Un jour d'automne, cette chagrine, particulièrement lorsqu'elle voit dans le ciel une formation en tête du volet. C'est celui des oies sauvages. Qui se dirige peut-être vers mon pays, se dit-elle. Sur ce, elle se souvient d'une légende.